Non, je pense qu'il faudra contourner un peu tout ce qu'ils disent parce que ils posent des petites questions assez sympas, on va dire. Un peu tout ce que j'ai appris durant ma carrière rugbystique. Voilà, même si elle n'est pas finie. Mon parcours, on peut leur expliquer un peu comment j'en suis arrivé là pour que, ben voilà, que aussi ils puissent y rêver. Quoi. D'accord. Tu te sens capable ? Ouais. Très bien. Voilà. Alors, ben, écoutez, bonjour. Je suis vraiment enchanté de venir parmi vous pour vous rencontrer. Alors, je m'appelle Thomas Combezou. Je suis donc joueur de Montpellier au rugby. J'ai joué dans différents clubs, dont UCL en Corrèze. Après, j'ai fait Clermont-Ferrand, La Rochelle. Et cette année, depuis Montpellier, en vie. Trois quarts centre. Tu veux que je t'explique pourquoi? Non? Bon, voilà. Alors, au début, je jouais devant, étant jeune, un peu comme vous, fait comme des arbalètes. Et après, par la suite, ben voilà, je suis passé derrière et, parce que ma taille et mon poids ne rentraient pas trop pour jouer dans les postes d'avant. 5 ans. Ouais, 5 ans. J'ai été mis très tôt. J'ai fait toute l'école de rugby et après, en suivant, j'ai gravi les échelons. Voilà, comme à l'école. En fait, nous, on fait des journées continues. Donc, en fait, on va attaquer, par exemple, le matin à 8h et on va finir à 14h. Et à 14h, on a fini notre journée. Et nos vlogs sont quand même donc de 8h à 9h, on a entraînement terrain, séparé, donc que les 3 quarts. Après, on va faire de 9h à 10h, on va faire de la musculation, que les 3 quarts aussi. Pendant ce temps que les avants font l'inverse. Après, on a une collation, on a une heure de vidéo sur l'équipe adverse. Donc on analyse leurs points forts, donc leur attaque et leur défense. Et après, on repart sur le terrain, mais en collectif, toute l'équipe. Nous, quand on était enfant, ben, on était contents de pouvoir voir des joueurs professionnels, même si j'ai pas eu trop l'occasion. Et pourtant, de les voir à la télé, je me disais, ouais, c'est énorme. Et voilà, aujourd'hui, ben, c'est nous qui sommes de l'autre côté, alors à nous de rendre un peu le témoin. Ah ouais, faudrait en mettre 2-3 au moins. Tu sais, je pourrais peut-être en oublier une, mais bon, arbalète, rugby, c'est quand même facile à placer, quoi. Travaillez bien à l'école.